Oui, en fait, je l'avais dit déjà dans une autre vidéo, mais je le répète parce qu'il faut toujours se répéter. En fait, dans ce monde, l'écologie n'est pas une politique. Donc, ce qu'a fait Greta Thunberg, c'est du vent, c'est de la merde. L'écologie, ça se vit au quotidien. Ceux qui sont écolos n'ont pas un portable comme moi pour exprimer leur opinion. Les vrais écolos n'ont rien, en fait. N'utilise pas ce genre de méthode parce que indirectement ça produit de l'énergie, etc. Et que derrière ça pollue en fait. Parce qu'il faut savoir que l'électricité, notamment des ordinateurs, est déviée, tout comme les éoliennes, vers la centrale nucléaire. En fait, c'est la roue de secours qui est directement rattachée à nos engins. Donc après, voilà. Ce monde serait primitif s'il était écologiste. Encore que les païens encore se distinguent des écologistes, puisque les païens, par exemple, qui sont primitifs, sont prêts à sacrifier des bêtes à des dieux, à des divinités farfelues, et ne respectent pas les plantes, puisqu'ils utilisent les fleurs pour en faire des bouquets, des colliers. Alors ça paraît très joli, et c'est vrai, mais j'ai vu la réaction après un rituel païen d'une écologiste convaincue. Et j'ai trouvé, mais magnifique, en fait, ce dilemme, cette controverse complète, cette polémique magnifique entre un magnifique étalage de fleurs posé au sol et la réaction d'une écologiste qui s'est dit, quel massacre. Elle avait raison.